Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme, j'arrive. Le journal de presque 17h17. Attendez, il y a deux réponses à ça. La première, c'est je vous emmerde. C'est les juges devant qui il faut répondre, pas devant les journalistes. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera du lancement non officiel de la campagne d'Emmanuel Macron sans Emmanuel Macron. Réussir sa vie. Voilà, vous chantez maintenant dans les titres. C'est mon hommage à Bernard Tapie, parce que je veux que Djoubaka produise mon prochain album. Ah d'accord. Ouais. Alors on parlera aussi de Nicolas Dupont-Aignan. Réussir sa vie. Non, ça marche pas. Et on parlera aussi de Jean-Yves Le Drian. Réussir sa fin de vie. Ah non, allez-y. Là, ça marchait. Regardez Djoubaka, elle a des étoiles dans les yeux. On commence par la politique. Oui, ce week-end, LREM était réuni à Avignon pour faire son séminaire de rentrée. Et un ministre a déclaré à l'AFP, zéro bordel, c'est ça la règle, après chacun s'organise comme il veut. Alors, la dernière fois que vous nous avez dit ça, Charline, au bureau, ça a été le bordel toute la journée. Voilà, je confirme. Et le 11 octobre à Marseille, des scientifiques et des experts vont débattre lors d'une conférence intitulée Psychologie de la connerie en politique. Ah, mais attendez, c'était pas samedi dernier le séminaire de rentrée de l'ROM ? Oui, c'est pas clair. Politique encore. Non, pas politique. Je vais parler de Nicolas Dupont-Aignan. Ben oui, justement, vous avez dit politique. Ah, pardon, oui, oui, c'est juste. Nicolas Dupont-Aignan, voilà. Donc, hier, le président de Debout la France a lancé sa campagne pour l'élection présidentielle. Non, Charline, mais non, je vous ai déjà dit, vous faites l'actu, moi je fais les vannes derrière. Mais il n'y avait pas de vannes, Guillaume, je donne juste l'info. Mais vous avez dit Nicolas Dupont-Aignan est présidentiel, comment voulez-vous que je sois plus drôle que ça ? Non mais ça va, c'est de la concurrence déloyale. Pardon, on va enchaîner, c'est gênant. Interviewé dans Libération samedi, Cyril Hanouna a déclaré « Jean-Luc Mélenchon, c'est la famille. On s'est même embrouillé le week-end dernier par SMS comme deux frères. » Les nouilles dans le slip, c'est moi ! Ça m'avait manqué de le faire. J'ai prévenu à la technique. Clément Rouillet était prévenu. Ce lundi, Emmanuel Macron a visité un refuge de la SPA pour évoquer la cause animale. Alors, c'est marrant, il y a un mec qui s'appelle pareil qui a autorisé le maintien de la chasse traditionnelle. Emmanuel Macron. Les homonymes, parfois, c'est cocasse. On enchaîne avec l'information du week-end. Bernard Tapie est décédé dimanche matin des suites d'un cancer. Il se disait de gauche, mais il aimait l'argent. Oui. Il défendait le capitalisme. Il se battait pour les patrons. Attendez, il aimait les cordons bleus aussi ? Ah, je crois, oui. Il supportait l'OM ? Bah oui. Ok, donc Emmanuel Macron lui a clairement tout piqué. Il a gadelmaïsé. Complètement. La commission sauvée sur les cas de pédophilie dans l'église va rendre son rapport demain. On sait déjà qu'entre 2900 et 3200 prêtres pédocriminels ont sévi depuis 1950. Et on sait d'ores et déjà quel sera le thème de la prochaine chanson de Frédéric Fromet. Voilà. Une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation a révélé que de nombreux chefs d'État ou hommes politiques dissimulent leur argent derrière des sociétés écrans anonymes malgré les récentes affaires comme les Panama Papers. Comment, Charline ? Quoi ? Qu'entends-je ? Les hommes politiques ont un sentiment d'impunité. Comment est-ce possible ? Comment ils cachent du pognon ? Non ! Je n'en crois pas mes oreilles. C'est comme vous, Guillaume. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, vous cachez tellement bien votre talent de comédien, on ne voit pas. Science à présent. Oui, selon une étude, les humains pourraient vivre au-delà de 130 ans. Ce qui laisse encore 2-3 bonnes années à Jean-Yves Le Drian. Et technologie, enfin, TikTok se lance dans la vente de NFT avec des artistes comme Lil Nas X et Bella Porch. Alors, attendez, Charline, parce que vous n'avez absolument pas compris un seul mot de ce que vous venez de dire. Non, j'ai tout compris, moi. D'accord, expliquez-nous, Charline. Oh, c'est la fin du journal. Ah, voilà. Allez,